Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode 4, non 5 pardon, de Life is Strange. Bon, je m'embrouille déjà, donc voilà, on continue juste là où on était. J'ai dû m'arrêter là parce que j'avais été interrompu, donc après j'ai coupé parce que la vidéo était quand même assez, voilà, de 30 minutes, ça va, j'ai envie de rester dans le format 30 minutes, sauf exception, évidemment, mais bon, ce qui est sûr c'est qu'on va pas dépasser l'heure. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Donc là, la mission, c'est de trouver les outils hein, pour réparer l'appareil photo, hein, évidemment. Donc c'est qu'il n'y a aucune photo à prendre dans la maison, vu qu'on n'a pas d'appareil photo. Nope, someone locked it from the other side. Donc là, je vais examiner quand même pas mal de trucs ici. Now this is the Chloe I remember, always smiling and laughing. Not so much anymore. C'est sûr qu'elle a bien changé, hein, à Chloé. Il y a un changement radical. Ah, un message de Kate. C'était pas cool, Max aurait pu m'aider. Zoé Kate, j'ai eu la trouille. Ouais, là c'est un message qui change suivant le choix qu'on a fait. Et comme là on l'a pas aidé, mais on a pris une photo, bah, elle est pas très contente. Mais on a une photo. Voilà, s'il y a besoin d'une photo, on a une photo. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. J'ai une de ces soifs, un truc de ouf. Et j'ai faim aussi, il y a ces beignets là qui me donnent envie aussi. Hein. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Ah, je vais vraiment examiner beaucoup de choses. Comme là, c'est la maison de Chloé, donc là, j'ai envie de fouiller un max. Remember that stain? Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Elle est trash quand même, quand elle s'y met. Donc ouais, on peut s'asseoir, mais je ne vais pas le faire. Parce que encore une fois, ça sert à rien, mais c'est juste pour un moment détente. Je pense pas le faire, sinon je... Brr. I can feel autumn pushing out the summer. Sinon, on en aurait pour longtemps. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Ah, la nostalgie. Les souvenirs. Bon, je vais m'asseoir quand même ici. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Tiens, il y a un ballon. Je crois pas qu'on puisse le chercher. Bon, de toute façon, ça servirait à rien. On va pas jouer au ballon. Ouais, c'est vrai que j'adore ces moments un peu de détente comme ça où t'es juste posé. T'as les dialogues. Surtout que là, c'est des dialogues du passé. Des souvenirs et tout. Donc c'est quand même vachement intéressant. Bon, il n'y a pas tout qui est intéressant. Genre les livres, je sais que normalement, il n'y a rien d'intéressant.
I should be able to find the tools I need here. On va aussi fouiller ici. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ah, c'est vrai qu'il a, il a fait son stock. Hein. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Poor little dear. It's not enough to kill you, they have to display your head. Bon, allez, là on va en profiter pour fouiller un peu tout ce qu'il y a là. Shit! Butterfingers! C'est vrai que là, elle a pas de chance, hein. Autant, voilà. Autant sur le reste, sur trouver son ami et tout, elle a de la chance. Et autant pour les objets, elle fait tomber des trucs. Hein. La boule de neige la dernière fois, maintenant ça, qu'est-ce que ça va être après? Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Ah ouais! Okay, this is getting totally weird. Ah ouais, oui, je me rappelle plus qu'il y avait ces photos-là. C'est vrai que l'épisode 1, comme je vous dis, je me rappelle plus beaucoup. Hein, parce que ça fait 3 ans. Autant les autres, il y a des trucs que je me souviens, mais autant l'épisode 1, je me souviens quasiment rien, quoi. Ah ouais, il avait pris pas mal de photos de Kate. Bon, on va rembobiner. Pour ne pas se faire gauler. Pour moi, c'est bien. L'avantage du pouvoir, c'est que... On peut fouiller les trucs, et après on rembobine, et voilà, ni vu ni connu. Nothing. This is so lame. Ah oui, là, il a un stock d'armes quand même. Ah, et il en manque un. Hein. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've got to be shitting me. Eh ouais. Comme je dis, mais il y a combien de chances que ça arrive? Il y a combien de chances que le beau-père de notre ami d'enfance qu'on vient de retrouver soit le chef de la sécurité de Blackwell? C'est voilà, c'est très très mince. Et pourtant, c'est le cas. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Yes, score. Ah oui, il me semble qu'il y a des trucs là. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Ah oui, c'est vrai que c'est chaud, la mini-caméra. Même dans sa maison, ils vont en mettre à l'école et tout, mais... Ça, il est, ouais, un petit peu excessif, hein. Wowzer, a map of Blackwell Academy. Ah, c'est là où il veut placer ses caméras. Oula, j'ai tapé dans le micro. Ah, ils vont en mettre vraiment partout. On va rembobiner. J'ai pas envie de me faire gauler. Quoique... Allez, vas-y. Je vais laisser ça là. Comme ça, ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de me faire gauler. Ouais, pourquoi pas. No password. Like it would help me find tools anyway. Ouais, je sais pas si on peut trouver le mot de passe là. Je sais pas du tout si on peut fouiller son PC. Je sais pas du tout. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. J'ai oublié. He wants to put surveillance cameras all over the school? Boom, precision screwdrivers. Except, I can't reach them.
That was very smart, dumbass. No can reach. Attends, ouais. Il y a quand même des petits énigmes plutôt sympas. C'est vrai qu'ils ont bien fait. Ah oui, voilà. Je le pousse, comme ça va tomber dessus. Et ensuite je le tire et bim. Voilà. Comme ça il est tombé. Je peux tirer. Et bim. Voilà, il y a des petits énigmes comme ça que franchement ils sont plutôt sympas. Il y a des trucs qui peuvent. On peut rester un peu à chercher. Bon, c'est pas les énigmes les plus compliquées non plus, mais c'est vrai que c'est des énigmes un peu. Voilà. Je crois pas que j'ai écouté le répondeur. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Bon, apparemment, Chloé fréquente des gens pas très fréquentables. Voilà, on va pouvoir réparer notre appareil photo pour pouvoir reprendre des photos, c'est bon. Hein, c'est, voilà. Hein, on est photographe quand même. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Are you shitting me? That asshole's everywhere. Wait. I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Oui, j'étais là par hasard. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? On va dire pas du tout. Parce que bon, déjà. Quand tu fais Life is Strange en premier, tu sais pas que voilà c'est sa pote et puis même en dehors de ça, même si je la connaissais avant, voilà non elle a trop changé donc non pas du tout. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Absolutely. Nathan Prescott had a fucking gun on you. Gutless prick. That was scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool?
Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Ah ouais. Est-ce que c'est une photo optionnelle? Je sais plus. Non, c'est pas une photo optionnelle. Parce que on peut voir les dessins et tout, ça correspond à rien du tout. Ça correspond pas à la situation. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in now. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Please. 1 second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth, that's an order. Whose is it? Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai quand même envie d'intervenir. C'est bon, ouais. Pour Chloé, on va faire ça. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Oh, you're on a roll today. Between the fire alarm and now this... You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her. I have proof you hassled Kate Marsh today. What? What are you talking about? I have surveillance proof. Now please leave us alone. Okay, Chloe. You know everything. And Max, if I find you here again, it will be the last time. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. C'est vrai qu'il est effrayant. Limite, il a me défoncé, il a me biflé et tout. Alors qu'on se connaît à peine. C'est vrai qu'il est chaud, hein, le beau-père là de Chloé. Il est totalement... Il part au quart de tour. Il a bim. Il y aura un bout de truc et tout, et il te foncerait dessus, il te démontrerait quoi.
Donc là on va quitter normalement, ouais, on est bientôt à la fin de l'épisode 1. Alors je sais pas combien de temps ça fait, hein, en termes de temps. Je vais peut-être bientôt arrêter. Pour pas que ça fasse trop long. Parce que j'ai pas envie que les épisodes fassent trop long non plus, quoi. Autant avant je m'en fichais, mais c'est vrai que là je veux des épisodes plutôt courts. Quitte à ce qu'il y ait plein d'épisodes. Mais que ce soit plutôt court pour que ça soit plus facilement regardable que des épisodes trop longs. Sauf vraiment quand j'ai besoin de bien avancer. Je peux faire plus long, mais globalement je vais essayer de faire court, c'est vraiment ce que je veux faire. Oh, une petite biche. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slow poke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Eh ouais, c'est là où on était au début du jeu. Dans le cauchemar avant de se réveiller. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, je ne sais pas combien de temps. Si c'est trop court, c'est pas très grave parce qu'il va se passer pas mal de trucs. Là, ça va être le normalement, c'est bientôt la fin de l'épisode 1. Donc, je pense que ouais, je vais m'arrêter là. Il vaut mieux que je m'arrête là. Donc là, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a pas mal avancé. Et voilà, quoi. J'espère que la série vous plaît. Là, j'ai tourné pas mal d'épisodes d'avance, donc j'ai pas vos retours, mais je vais laisser une petite marge le temps que tous les épisodes de l'épisode 1 sortent. Voilà, comme ça j'aurai vos retours avant pour l'épisode 2. Comme ça, quand je commencerai l'épisode 2, j'aurai à peu près tous vos retours. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine pour la fin de l'épisode 1. Normalement, c'est la fin de l'épisode 1.